Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice du pré-test des Olympiades de mathématiques 2024. Alors, voici la question. On vous dit soit la fonction f définie pour tout x réel différent de 0. On a la relation 1 sur x, f de moins x. Plus f de 1 sur x est égal à x. On a calculé f de 2024. Alors, donc, c'est niveau seconde et première. Et là, c'est la quatrième partie. Vous pouvez retrouver les autres parties dans cette chaîne Math Academy. Alors, donc, on y va. Donc, pour x différent de 0, on va poser U égale à 1 moins 1 sur x. Alors, nous savons que U est différent de 0. Et par conséquent, on peut lui appliquer la condition de F. C'est-à-dire, nous aurons donc 1 sur U, F de moins U, plus F de 1 sur U égale à U. Maintenant, remplaçons U par sa valeur. On a alors, si on remplace U par sa valeur, on sait que U égale à moins 1 sur x. Donc, 1 sur U va devenir moins x. F de moins U va être F de donc 1 sur x plus F de 1 sur U, donc c'est F de moins x qui est égal à donc U, mais U égale à moins 1 sur x. Donc, on a cette relation-là. Bien, maintenant nous avons deux relations. Donc, la relation qu'on vient d'obtenir en posant U égale à moins 1 sur x, qui est moins x f de 1 sur x plus f de moins x qui est égal à moins 1 sur x. Et également la relation du début qui est 1 sur x f de moins x plus f de 1 sur x est égal à x. Donc ceci implique qu'on peut multiplier l'une des équations, c'est-à-dire on peut multiplier la deuxième équation par x. Donc, on maintient la première équation intacte. Maintenant, la deuxième équation, si on la multiplie par x, on va obtenir f de moins x plus x f de 1 sur x égale x carré. Bien, ici, en faisant la somme membre à membre, nous obtenons, on voit bien que les moins x f de 1 sur x vont se simplifier et il va nous rester 2. F de moins x est égal à x carré moins 1 sur x. Ainsi donc, 2 f de moins x, quand je remplace par moins x, donc quand je calcule, donc j'ai ici f de moins x qui est égal à ça. Donc f de x, c'est f de moins x. Donc de l'autre côté, j'aurai c'est égal à x carré plus 1 sur x. Ce qui me permet donc de dire que f de x est égal à, en réduisant au même dénominateur, x au cube plus 1 sur 2x. Voilà, maintenant, connaissant f de x, il va être très facile de calculer f de 2024. F de 2024, donc, c'est égal à 2024 au cube. Plus 1 sur 2 fois 2024 qui est égal à 4028. Et si on fait les calculs, ça va nous donner 2 048 288,002. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.